fait tout ce qu'il faut. Ça va être sympa de mettre les générateurs en haut, comme t'as fait la grille. Ça va être cool. Ouais. Bah ouais. Je savais pas trop où les placer, mais ouais, je pense que. Moi, je trouve ça chouette. Je me suis dit plutôt que de faire un étage, de les empiler les uns sur les autres, les mettre un peu en décalé. Ouais, t'as bien raison. C'est cool comme ça. Ouais, bon. Je sais pas de combien j'en ai besoin, mais j'en aurais besoin de beaucoup, donc. Chasse à la limace. Ah bah, il y en a une là-bas. Ah non. C'est arrivé ici. Ah non. Petite foreuse. On a récupéré toutes les limaces du coin. Ah, ça y est. Scanner d'objets, il en captait aucune. Ah ouais. On a été efficace à ce point. Bah écoute, hein, faut croire. C'est rigolo parce que j'ai entendu le bruit du scanner d'objets. Ah ouais? Alors que t'es à l'autre bout de la map, quoi. Bah ouais, ouais. Je me demandais d'ailleurs ce que c'était. J'entends un bruit aussi. Un bruit de touche rémanente ou je sais pas quoi qui s'activait sur Windows. Là. Ouais, ouais, vous m'entendez. Je l'entends, moi. Oui, là, je l'entends. Ah bah, ça va être marrant si vous l'entendez à chaque fois que vous l'utilisez. On va s'amuser. Parce que moi, j'adore l'utiliser, ce truc. Donc. Ah oui, j'entends. J'entends, là. Bip, bip. Alors... Bon, promis. Je ne serai pas long. Je me disperse. Je me disperse, c'est terrible. Bip, bip. Alors. Ah, je suis en train de me faire défoncer. Mais j'étais en train de mettre un marqueur. C'est bon. Saut.
t'entendais là. Je crois qu'il y a une limace là. Ah, j'étais juste à côté. C'était pour vérifier si vous entendiez encore. Bah, j'entends pas tout le temps, hein, de temps en temps, mais. Ah oui, là j'entends. Hip. Donc là c'est bon, ça c'est du M4-3. Bon. Du M4-3. Hop. C'est pratique, on peut l'utiliser avec le parachute. Là, j'ai pas assez. Hop. Déjà, ça va aller un peu plus vite. Là, ça c'est bien mieux. Alors ici. Bon. Laisse-moi tranquille. Ça va être bon. 4 minutes. 3, par contre. On est à 45, 45 et 30, donc je vais faire pareil là-bas. 45, 45 et 30. Voilà. Que j'ai mis le charbon là, ça va m'être pratique pour aller faire mon buggy après. J'aurai besoin de charbon pour le faire avancer. Et je vais trouver une limace, j'ai pas pu la ramasser. Elle a des pop. Très très bizarre. Mais c'est qu'on l'a déjà ramassé, non? Mais non, mais parce que j'étais dessus, littéralement. Je vais déco-reco, au cas où. Ouais. Je me suis bizarre. Poutre en béton armé. Peut-être en faire deux, quand même. Je pense qu'il faut.
fait 24. J'en fais combien par minute, hein. Pourquoi chez moi il écrit... Ah oui, t'as des coreco. Il a dit Migolo par rejoint la partie. Ouais, ouais, mais ouais, l'animas n'a pas déco reco. Moi, je suis un peu deg. Perdu ou mas, du coup. J'en fais 45 par minute. 45 par minute. 45 par minute. Ah, poutre en béton armé, je vais pas en faire beaucoup. Hein. Ah, je vais en faire 6 par minute. C'est mieux que rien, mais bon. Il faudra 30 bétons par minute. Ouais. C'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. C'est mieux que rien. Il faut combien lundi? Il en faut 30. Classique. C'est terrible, les bip bip. Désolé. Je vais brancher ça. Je vais trouver un truc par là. Ah, allez. Ça flippe, hein. J'ai plus de câbles. On va te faire passer par en bas. Ah mais super en bas. Ça saute pas ouf. Arrive. Pouf, 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 pouf. Attendez. On va faire ça. Là. Ok, c'est tout. On va retourner. Oh! Oh! J'ai une grosse araignée qui m'a sauté dessus. Ah! C'est joyeux. Je vais probablement mourir. Sauf si je la rush. C'est bon, je la rush. Ah. Oh. Dommage. Dommage. Merci pour ton soutien. Ceci dit, à côté d'une araignée rose, j'aurais dû me douter que... Une araignée rose. Une masse rose. Je suis perturbé maintenant. Ah, une araignée rose, pourquoi pas, hein. C'est parti. Ça avance, ça avance.
Je veux faire mon buggy avant la fin de cette session. Pour avoir le droit de le faire, il faut que je finisse mon usine. Comme ça, à la prochaine session, tu iras nous chercher plein de disques durs. Ah ouais. Plein de limaces. Des limaces, des disques durs. Tout ce qu'on veut. Le Père Noël, on va l'appeler. Des capsules d'ADN. Ah ouais. Ok, j'en descends. Ah, oh, je me trompe tout le temps de touche. Hop là. Alors, on a dit câble. Cable. Turbo. Tout. Quelque chose. Ah, je sais ce que je voulais regarder. Alors, le MAM. Nous avons soit des tôles de cuivre avec une raffinerie, donc avec des lingots de cuivre et de l'eau. Voilà. Tôles de cuivre. Donc au lieu de deux lingots pour une tôle, on a trois lingots pour trois tôles. Et il faut de l'eau avec. Et au lieu d'être à 10 par minute, on est à 22,5. Elle est bien cette recette, je trouve. C'est pas mal, ouais. Sinon, on a du fil de catharium. On l'a déjà eu tout à l'heure, ça, non? Donc du fil de cuivre avec un lingot de catharium. Ouais, je l'avais eu. Hein. Ou alors, recette alternative de rotor. Donc, on fait des rotors avec de la tôle de cuivre et des vis au lieu de le faire avec des tiges et des vis. Voilà, voilà. Et on en produit 11,25 par minute au lieu de 4 par minute. Moi, je vote pour les tôles de cuivre dans la raffinerie. Ça me va. Ça te va. Oh, j'hésitais avec les rotors en cuivre, mais... Ouais, les rotors, c'est pas mal aussi, mais je pense que les tôles, c'est plus intéressant. Eh ben, c'est parti. Pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. C'est parti. Ok, ça c'est fait. Je vais retourner. J'ai peur d'oublier quelque chose. Logistique. Bien, prendre le truc de base, hop, les plaques, de fer renforcé, hop. Ça va bien là. Hop, c'est parti, j'y retourne et je vais finir cette usine de poutre de béton armé. C'est quand même un truc de dingue la portée qu'on a avec les pylônes électriques. Ouais. C'est quand même un bon ajout. Parce que du coup, j'ai relié l'usine que je suis en train de faire à nos pylônes électriques là. La fourgueuse là, si j'y arrive, je vais y arriver, je suis trop loin. Non.
juste à côté. Que je suis là. Ça vient, hop, clac, et clac, en électricité, et c'est parti. Produit 60, on a un tapis M15, ça c'est pas grave. hop. Fait du béton classique. Ah. J'ai pas anticipé ça. J'ai pas assez. Il faut 90. Et j'en amène 60. Oh, dear. Ah là 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 là. Bon, je produis, mais pas de manière optimisée. Embêtant. Ah, pardon, j'ai tombé. Ah, ça va clipper. J'ai pas pensé à ça non plus. Bon, il y a le but là. Je suis bien haut. Ça arrive pas. En fait, on va mettre ça en haut. Ça. Alors, le calcaire arrive tout doucement. Je suis à 60 par minute. Ah, moi je fasse une fois aux MK2 là-bas. Ah, ouais, je peux peut-être faire ça. Tiens, au fait. Du MK ou MK2 allez, fais là. Ah bah oui. Bah oui. Au charbon. C'est des foreuses MK qu'on a mis. Tout à fait. Donc on peut faire des foreuses MK2. Ça va déjà nous aider. Hey. Ouais, je crois que je vais m'amuser à faire ça. Mais pour ça, il faut des poutres en béton armé. Donc il faut que je produise un minimum. Ah,
Ah oui, 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 oui. Comment est-ce que je... Ouais, pour l'instant, je fais pas de foreuse MK2 parce que ça coûte cher. Et ça demande de faire de l'établi. Non mais ça va venir, ça va venir. Ça. Ah non, ça clip là. Oh. C'est ça aussi, on va faire ça autrement. Voilà. Ici. Ça sera mieux. Hop. Bon, du coup, pour économiser les poutres en acier, je suis en train de faire un bus de convoyeur avec trois tapis pour des minerais de fer. En MK2. Plutôt que les faire en MK3. Oh. Ok, très bien. Ce sera moins esthétique, mais ça sera plus économique. Ok, voilà, normalement. Oh, on en produit quand même des poutres, c'est bien. Hop, on est ça. Ouais, c'est tuyau aussi, c'est bien. Hop, hop, saturer un peu tout ça. Bon, ben voilà. La production est en route. La production de quoi? La production de poutres. De poutres en béton armé. Ah, t'allais vite. Alors,
On en fait, alors normalement 6 par minute, mais pas encore, mais bientôt 6 par minute. Voilà. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait. Ça fait une petite base, commencer. Ouais. Du coup, faire un peu à la main. Excusez-moi, je vais me rechercher du thé. On est comment au niveau prod? Ouais, ok. Ça va. Ça va, t'es satisfait. Ouais. Encore un peu de marge, sachant que je m'apprête à rajouter des centrales. Donc j'en ai qui continuent à tomber de temps en temps. Pourquoi? Alors, on va remplacer Buffer's MK1 par du MK2. Ce qui va nous sortir du 120 par minute. Donc, on va remplacer les tapis MK1 par du MK2. Pas assez de charbon. Normalement, l'usine est optimisée. Et je vais aller récupérer les éclats de charge parce que je vais remplacer les forêts MK1 par du MK2. Du coup, il n'y aura plus besoin de les booster pour le moment. Je les ai récupérés tout seul. Nickel. Parfait. Voilà. Ça tourne. Je suis de retour. Mes excuses. Hop. Je ferme cette usine.
histoire que esthétiquement ça soit pas trop moche. De toute façon, on fait un peu avec ce qu'on a. Hein. D'ailleurs, on doit avoir quelques coupons, je pense. Est-ce qu'il y a ? Enfin, peut-être pas beaucoup, mais on avait au moins un coupon. Ah oui. Wow. Ça, on va pas aller bien loin, mais... Oh. C'est le début. C'est fait. Début de la gloire. Pas de la gloire, je sais pas, mais... Hop. À peine fini mon toit que tu exploites déjà. Tout à fait, j'attendais patiemment. Allez, je t'en prie. En vrai, c'est bon. Voilà. Oh. Ah, ça c'est bien. Vous avez vu ce que c'était ? Bah oui. Ce qui est surprenant. Non. Non. Parce qu'il y a une fois, on le voyait pas. C'est vrai ? Bah ouais, d'habitude, il n'y a pas la notif. Bah, on l'a vu. Moi, j'ai vu aussi. Bah, voilà. Bon. On a tout vu. Déjà. Bon bah tant mieux, j'ai pas besoin de vous le dire alors. Bon, c'est bien, ça produit, allez hop, on va laisser produire ça. Bon, par contre mon usine n'est pas très user friendly. C'est parti. Je rentre à la maison. Allez. Tu vas voir le méga bus à convoyeur que je suis en train de faire. Ah oui, là-bas, je vois. Bah, je vais où, moi? Je pensais que j'allais m'arrêter à la base, et en fait, j'étais en train de partir ailleurs. Ah ouais, là, tu partais vers le vers l'usine que je suis en train de faire. Pour l'instant, il n'y a rien. Oh, c'est lui. C'est bon. Alors... Ça... Ça, 5 ça. Voilà. Hop. Et 5-4 modulaires l'eau. Qu'est-ce qui va nous manquer? 4 modulaires. Ah, Davis. Davis. Ah, d'accord. Si. Ah, par contre... Je le mets où, moi? Ah, mon explorateur, va falloir que je me fasse des routes. Hein. Ça va, c'était pas trop compliqué à faire l'explorateur au final. Et
T'as juste fait un peu de... Bah, 5 oscillateurs et 5 poutres, 5 cadres modulaires lourds, ça va quoi. Oui, il y a petit. Ça va encore vite. Hein. Hop, hop. Voilà. Eh bien, mon explorateur est prêt à explorer. Est-ce que tu as de quoi, si t'es dans les parages de la base? Ouais, que veux-tu? D'augmenter le... Comment ça s'appelle? La foreuse de cuivre en MK2. Est-ce que t'as les ressources sur toi? Je peux. Alors, hop. Je t'avoue que... Je vais juste refaire une foreuse. Ça m'aiderait beaucoup. Comme ça, ça va le faire tout seul. Hop. Merci beaucoup. Je vais faire ça tout de suite. Elle est... Ah, elle était déjà à 200%. Je la remets à 200%. Ouais. Carrément. De toute façon, j'adapterai si jamais. Là. Voilà. Normalement, c'est parti. Merci, monsieur. Du coup, ça produit 240. Mais par contre, ouais, faut mettre du MK3. Oui, t'inquiète, ça j'ai. Je... Bah, j'ai mis du MK3 à la sortie. Non, mais t'inquiète, je me débrouille. Ah, comme tu veux. Ah. Là-dessus, y'a pas de souci. En tout cas, c'est fait. Pas de sushis.